Bonjour à vous toutes. Eh bien, le soleil s'est un peu caché aujourd'hui, mais ce n'est pas grave quand même, il faut bien qu'il soit un peu en RTT et il va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, une bonne journée de toute façon, parce que c'est bien aussi, votre peau a besoin de se détendre, d'être un peu non-soleil aujourd'hui. Donc il faut prendre aussi ces moments-là pour du bonheur, votre peau elle se ressource, elle va récupérer. Et comme ça, elle bronzera encore mieux quand vous vous mettrez au soleil dans deux jours ou une journée. Et puis lire à l'ombre, c'est pas désagréable non plus si vous partez en vacances, c'est pareil. Vous arrivez, eh bien dites-vous bien que c'est une bonne chose qu'il fasse pas trop trop beau parce que vous allez pouvoir vous installer, bouquiner un peu, vous détendre et votre peau, elle va quand même prendre un autre rythme. Alors, c'est idiot ce que je dis, parce qu'un autre rythme, les plans en vacances, ça ne se rend pas compte. Mais si, par rapport au soleil, par rapport à la mer, par rapport à l'air marin, c'est bien aussi quand elle s'habitue aussi. Donc voilà, je vous propose un maquillage. Je me rapproche. Je vais faire un gros plan. C'est un maquillage avec un eyeliner de toutes les couleurs, qui n'est pas un eyeliner, mais c'est simplement des fards à paupières qui sont effectivement mis par petites pointes pour faire un effet caméo. Je zoome, je zoome, je zoome, je zoome. Voilà, je ferme et je zoome. Donc voilà, je vous propose ce maquillage-là, même si les deux yeux n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs. Ce n'est pas grave, parce que c'est joli et ça fait aussi vacances, tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Sur la vidéo, je vous mets ce que j'ai mis. Par contre, je n'avais pas mis effectivement ce que je vous avais mis comme rouge à lèvres. Je mettrai, et ça c'est le doré d'Yves Saint Laurent, il ne me reste plus rien du tout, mais je mettrai tout ça sur mon blog. Et voilà, pour toutes mes inconditionnelles, moi, mon voisin, mon meilleur ami, c'est vrai, qui a été coiffeur il y a quelque temps, c'était pas à Lyon, mais c'était dans une autre ville, m'a déposé ça, il m'a dit, allez, allez, mets ça sur tes cheveux quand tu vas te baigner. Alors, ça s'appelle le micro-voile protecteur de chez Kérastase, soleil. Et ma foi, je le mets tous les matins quand je me lève sur mes cheveux, que j'accroche un peu n'importe comment, mais je les blinde avec ça. Et je les lave évidemment le soir. Mais comme moi, je ne les sèche pas en été, je les remonte comme ça, avec une petite queue, tatatata, je bouge, je mousse, et ça reste une coiffure de vacances. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end à toutes et à tous. Juste deux petits mots, mais je reviendrai là-dessus pour vous dire que la semaine prochaine, on va avoir un programme super. Parce qu'on va customiser nos crèmes. Eh bien oui, on a vu la slow cosmétique de chez Julien, qui est très raisonnable et que j'aime beaucoup. On a vu la cosmétique de L'Art, avec tellement de produits, avec des dosages qu'on devient carrément un chimiste. Et à la fin, on ne sait pas si effectivement ça va complètement être bon pour notre peau. Bah oui, mais quand on achète une crème non plus. Mais bon, voilà. Moi, je vous propose, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'aime faire, c'est où je fais carrément des produits naturels et je fais le béaba comme faisaient nos grands-mères pour soulager la peau, etc. Je suis d'accord complètement avec Julien dans ce cas-là, ou alors je customise mes crèmes. Moi, je ne fais pas des savants chimistes, je ne suis pas très douée. La pétrochimie, effectivement, j'essaye de le faire le moins possible, sauf que depuis le temps que j'en ai mis, ma peau ne s'est pas non plus trop abîmée, et au contraire, elle est restée même assez belle, donc on ne peut pas tout jeter en bloc non plus. Et je customise, eh bien oui, moi je customise mes crèmes. Donc la semaine prochaine, je vous aide à customiser vos crèmes en fonction de votre peau, en fonction des antirides, en fonction de comment vieillit votre peau. En attendant, reposez-vous pour être en forme la semaine prochaine. Voilà, bon week-end à vous. Juste de petits mots ce week-end, parce que j'ai plein de monde, donc j'aurai moins de temps de venir sur le blog. Au revoir.